T'étais où, toi? Je me suis trompé de cimetière. Ton grand-père n'est pas vexé. Il t'aime tant, tu sais. Comme moi. Écoute, c'est bon pour moi. Et sinon, ton roman, t'en es où? Toi, mon chéri. Aujourd'hui, vous partez à la retraite. Une nouvelle vie commence et je me permets au nom de la... Là, c'est ton grand-père. Ça fait bizarre de voir ça. Ça passe vite la vie quand même. Je vois pas comment elle peut encore rester seule chez elle. Maman, on s'inquiète pour l'avenir. Quel avenir? Eh bien, bienvenue chez nous. Enfin, chez vous. Non, c'était pas sympa. Parce que ma grand-mère a appris qu'on avait vendu son appart, sans lui dire. C'est ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Elle est partie. Maman! Putain, j'ai reçu une carte postale de ma grand-mère. Ah bah, je suis contente, elle était où? Dans un hôtel en Normandie. Et c'est la ville de mon enfance. C'est la première fois que je reviens ici. Bonheur fané, cheveux sauvants, baiser volé, rêve mouvant. D'accord, en fait, j'ai ma grand-mère qui était ici quand elle était petite, dans cette école. Bonjour. Elle est tellement touchante. J'ai trouvé la femme de ma vie. パリとノルマンディを舞台に人生の輝きを描き出す家族三世代の物語、愛しき人生の作り方。